Après avoir réalisé une pâte à choux, remplir une poche munie d'une douille unie numéro 14. Pocher les choux sur plaque, ou plus précisément, coucher ou dresser. La plupart des professionnels utilisent le terme coucher. Ainsi, coucher les choux sur plaque en veillant à les espacer et à dresser en quinconce afin de permettre la bonne circulation de l'air sur la plaque durant la cuisson. Lors du couchage de gros choux, la poche se positionne à environ 3 cm de la plaque. Le chou est formé sans que la poche ne bouge. Le diamètre pour un gros chou de religieuse est d'environ de 4,5 à 5 cm de diamètre. Coucher sur une autre plaque des petits choux à l'aide d'une douille unie numéro 10, en veillant également à bien les espacer. Lors de la formation du chou, il est important de pocher et de couper net la pâte en effectuant un demi-tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin d'éviter d'avoir une pointe disgracieuse. Certains professionnels cuisent les gros et petits choux sur la même plaque, mais la cuisson n'est pas similaire et peut engendrer des sous-cuissons des gros choux ou, à contrario, des surcuissons des petits. Détailler et disposer un disque de craquelin surgelé sur chaque chou. A noter qu'un chou pourvu de craquelin n'est jamais doré. Enfourner ensuite pour 35 à 40 minutes à 160 degrés. Il est très important de bien espacer les choux car la présence de craquelin va faire développer les choux de manière plus importante. Afin de réaliser une crème pâtissière, nous avons besoin de lait entier, de sucre semoule, de jaune d'œuf, de poudre à crème, de beurre. Commencez par faire chauffer le lait avec de la vanille liquide ou de la gousse de vanille et la moitié du sucre semoule. On aurait très bien pu faire l'impasse sur la vanille, mais celle-ci apporte de la rondeur à la préparation. Pendant que le lait chauffe, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Veillez à mélanger les éléments immédiatement, sous peine de voir les jaunes d'œufs former de petits grains. On dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre, en contact avec les phospholipides contenus dans les jaunes d'œufs, provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit pour provoquer une petite coagulation. Incorporez ensuite la poudre à crème. La poudre à crème, qui est un amidon de maïs additionné d'un colorant jaune et de vanille. Certains professionnels utilisent de la farine de blé ou de la maïzena. Bien mélanger cet appareil afin de ne pas former de grumeaux. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés, qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Une fois le lait bien chaud, transvasez une partie de celui-ci sur l'appareil en effectuant le mélange hors du feu pour éviter tout risque de brûlure ou d'épaississement prématuré. Délayez le mélange et reversez le tout dans la russe. Cuire la crème sur le feu qui va s'épaissir en s'approchant de l'ébullition. En effet, ce n'est que vers l'ébullition que l'amidon contenu dans la poudre à crème commence à effectuer son travail et apporte la consistance si caractéristique de la crème. La crème pâtissière fait partie des crèmes de base en pâtisserie et cela reste une des crèmes les plus utilisées et les plus fragiles bactériologiquement. Elle est utilisée comme base pour la confection de crèmes dérivées comme la crème diplomate, la crème mousseline, la crème chiboust et bien d'autres encore. La crème pâtissière est en cuisson et nous observons
une petite disparition de l'écume au plus nous nous approchons de l'appoint de la cuisson. Dès que la crème commence à s'épaissir, il est très important de mélanger énergiquement en allant chercher la crème jusque dans les bords de la russe. Cuire environ 30 secondes à 1 minute pendant l'ébullition, ceci faisant partie du protocole de réalisation de la crème pâtissière selon la méthode HACCP. Intégrez le beurre, une fois la cuisson de la crème réalisée. Débarrassez immédiatement la crème pâtissière dans un bac gastro chemisé de film alimentaire et filmez au contact afin d'éviter qu'elle croûte. Anciennement, on appliquait une petite couche de beurre pour éviter le phénomène de croûtage. Cette technique portait le nom de tamponner. Une fois la crème conditionnée, il va être important de faire chuter sa température rapidement afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellule de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. L'utilisation d'eau glacée ou d'un pasteurisateur sont également des solutions permettant de la faire refroidir rapidement. Le refroidissement est réellement une étape cruciale qu'il convient de maîtriser pour assurer une crème pâtissière parfaitement conforme. Afin de réaliser la crème pâtissière au chocolat, nous avons besoin de préparer une crème pâtissière et une ganache. La crème pâtissière étant réalisée et refroidie, lissez-la dans une calotte à l'aide d'un fouet et réservez. Cette étape est très importante et permet d'apporter de la brillance et de la souplesse à la crème. Préparez la ganache en chauffant de la crème. Une fois le cacao pur pâte fondu et la crème bien chaude, procédez à la réalisation de la ganache. Versez en une fois la crème bien chaude sur le chocolat fondu. À l'aide d'une maryse, mélangez énergiquement depuis le centre en décrivant des petits cercles pour créer un noyau élastique et brillant. L'objectif ici est de créer une émulsion entre le chocolat et la crème grâce à une action mécanique. Normalement, le mélange se fait en 3 fois sur un chocolat. Toutefois, le cacao pur pâte contient une grande quantité de beurre de cacao, environ 54%, qui va très vite cristalliser. Il est donc important de verser la totalité de la crème sous peine d'échouer la ganache. Une fois la ganache réalisée, incorporez-la directement dans la crème pâtissière refroidie et lissée. Mélangez vigoureusement de façon à rendre homogène la crème. Réalisez un petit trou dessous le chou à l'aide d'un économe ou d'une douille. Garnir les choux de la crème pâtissière chocolat.
pour la confection d'un fondant chocolat détaillé. Faire fondre le beurre de cacao est réservé. Chauffez ensemble le glucose et le fondant aux alentours des 37 degrés. Incorporez le cacao poudre pour colorer le fondant et lui donner un léger goût de cacao, ainsi que le beurre de cacao. Travaillez la masse jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Coulez le fondant sur papier guitare. Amincir le fondant à l'aide d'un rouleau, mais attention à ne pas le faire trop fin, sous peine de ne pas pouvoir le décoller. L'avantage de cette technique permet tout d'abord de préparer à l'avance le fondant, de réaliser un travail régulier et surtout de conserver un peu plus dans le temps les productions qui ne prendront pas l'humidité. L'inconvénient est qu'il nécessite une certaine habileté dans le travail du fondant qui n'est pas si facile. Entreposez en cellule de refroidissement ou en surgélation afin de bloquer la totalité de la masse pour pouvoir détailler. Il est impératif que le fondant soit parfaitement surgelé afin qu'il soit détaillé de façon propre et nette. Une fois surgelé, détaillez rapidement à l'aide d'un emporte-pièce les formes souhaitées. Disposez les pastilles de fondant surgelé directement sur les choux. Pour la crème au beurre pour le décor, mettre le beurre en pommade. Intégrer le fondant à température ambiante. Et pour finir, incorporer le cacao pur pâte fondue, mais pas chaud, afin de ne pas faire fondre le beurre. Laissez foisonner la masse. Corner si besoin la cuve, afin d'obtenir une masse totalement homogène. Afin de réaliser la collerette de la religieuse, nous utilisons ici une douille sultane. Mettre la crème au beurre en poche et réaliser la collerette. Pour finir, surmontez le gros chou avec le petit chou afin de finaliser les religieuses.